qui a marqué la flamme devant le filet. Il s'est récupéré par les Remparts. Ça va à Bolduc. A marqué la flamme. Campé derrière Fernandez. Il a tiré le but. Pierre-Olivier Roy. But compté en avantage numérique. Et les Remparts vont prendre les devants. C'est 1-0. On s'est bien échangé. Vous allez le revoir là dans le fond du territoire. Les trois joueurs ont rapidement touché à la rondelle pour revenir. Et même si le joueur des Remparts était couvert là, correctement par un joueur des Foreurs, ben, il a été en mesure là, de s'agenouiller. Et Roy qui enfile l'aiguille pour donner une priorité. De Roy. Et Bolduc va rejeter là, en territoire des Foreurs. Ça va jusqu'à Cibulka. Cibulka à la remorque. Derrière ses drapeaux, qui est de son territoire, traverse la ligne rouge. Remet à Doucet, entre le territoire. Longe de la ligne bleue. Belle protection de rondelle. Doucet s'avance, le tir, le but! Et les Toutous arrivent sur la patinoire. La pluie de Toutous. Et qui donc? Alexandre Doucet. C'est 1-1. Devant Robida. À la ligne bleue, ça va jusqu'à Savoie. Passe latérale, ça va jusqu'à Roy. À Bolduc, au cercle de mise en jeu. À Savoie maintenant, à Rochette. On a tenté le jeu transversal, c'était bien joué par les Foreurs. Et attention, là, Alexandre Doucet s'amène seul devant Rousseau. Doucet, la fin est le but! Alexandre Doucet, son deuxième but du match, 25e de la saison. Et les Foreurs prennent les devants. C'est 2-1. Pourquoi pas en ajouter? Quelle rapidité! Il s'est défait facilement du défenseur. Revient côté fort dans le haut du filet. Wow! Quel travail! Alexandre Doucet et le partait poigné dans la cabane. Et mine de rien, Jonathan, c'est son 7e but compté en désavantage. C'est le dégagement et c'est Drapeau là, qui vient saisir alors qu'on revient à 5 contre 5. Et c'est de la montée de Drapeau. Oh. Et la confusion au banc, là, les changements qui ont été longs. Attention, le tir et le but! Ouh! Quel lancé de James Malatesta! On venait d'en faire mention. Et le numéro 11 ramène tout le monde à la case départ. C'est 2-2. Ouais, son 22e de la présente campagne. Vous le voyez, un tir poignet qui surprend Fernandez. Et ça s'est passé au centre de la patinoire. La relance avec Drapeau qui a échoué. On apportait des changements également. On a débuté des changements. Tout de même, ça va prendre des tirs. Là. Il y en a eu un seul à date là, sur l'avantage numérique. On remet jusqu'à Bolduc. Là, tiens! Et le but! Nathan Bolduc! But compté en avantage numérique. Et les Foreurs reprennent les devants. C'est 3-2. Quel tir poignet de Bolduc, son troisième de la saison. Regardez ça. Cibulka, Bolduc. Il voyait l'ouverture, c'est parfait avec Woods qui est stationné devant le gardien de but. Il n'a plus rien fait. Il y a Farrer, Robida, haut de l'enclave, remet à McCallum. McCallum dans l'enclave, le tir! Quel arrêt de William Rousseau! On l'avait sorti le gardien de but, belle manœuvre de McCallum. Et c'est 3-2, toujours la marque. Incroyable, gardez ça. Je pense qu'on était plusieurs à penser que McCallum allait la diriger à Doucet, mais il était bien marqué. Donc, il est allé d'une feinte à sa droite. Le gardien était quand même compromis. Le gardien, son intention était de revenir. Et la mitaine. La Testa, non, aussi, ouais. qui n'est pas là. C'est un très bon point. Quand Rochette a marqué la flamme, passe dans l'enclave. Bolduc, le tir. Oh! Bel arrêt de Fernandez! Le vol de la mitaine devant Bolduc. Fernandez semblait bien savoir où ça s'en allait. Son déplacement était immédiat. Il est en train de se déplacer là, vers le joueur quand il a gobé avec la mitaine pour fermer la porte. Et on n'amène pas de vin là, pour venir aider en défensive. Le tir de Malatesta, l'arrêt, le retour. Quel arrêt! Et c'est le but finalement des Remparts avec l'acharnement devant le filet. Et l'égalité va être créée, là, c'est 3-3. Charles Savoie qui complète le travail pour créer l'égalité. Regardez, là, on a simplement envoyé la rondelle au filet. Le gardien était pris hors position et là, ben, il y avait un joueur des Remparts qui a été en mesure là, de mettre sa palette là-dessus pour rediriger derrière la ligne des buts. On avait tout tenté, on avait réussi à la faire changer de trajectoire, mais ça a continué. De Komarov. Et les Remparts menacent là, en territoire des Foreurs. Komarov, son tir, c'est le but! Oh! Quel lancé de Zvevolov Komarov! Et en l'espace de quelques minutes, les Remparts prennent les devants. C'est 4-3.
Oui, on a poursuivi sur la lancée, sur l'élan du troisième but. Quel tir poignet du défenseur droitier. Regardez ça. Va s'amener, avait de la place, décoche côté bloqueur dans le haut du filet. Fernandez n'y peut rien. En voulant feinter devant Malatesta. Et c'est gaucher maintenant, la passe dans au centre de la glace. Malatesta saisi. Gaucher, là, tu sais, l'arrêt de Fernandez devant Malatesta. C'est Roy maintenant, pas la possession. Doucet, là, qui est en fin de séquence. Pas la rondelle, revirement. Bolduc, fin de tir, veut se défaire de McCallum. Bolduc à Rochette, et c'est le but! Théo Rochette, on a profité d'une fin de séquence chez les Foreurs. Et les Remparts vont prendre deux buts d'avance. C'est 5 à 4. Un trio qu'on n'avait pas nécessairement vu là, énormément ce soir. Et là, qui capitalise là, pour donner un dur coup aux Foreurs. Bolduc et Rochette qui unissent leurs efforts là-dessus. Donc, on se donne un coussin de... Quelques secondes à faire. Louis Robin, territoire ennemi, cherche les tirs. Ça ne viendra pas, les dernières secondes. Et c'est ainsi que va prendre fin ce match au centre. Anigo Eagle de Val-d'Or. Avec les hurées des partisans, là, c'est surtout en direction des officiels, n'ont pas apprécié là, les jeux.